Festilite crée depuis plus de 25 ans des décorations à destination des collectivités, des centres commerciaux et pour les particuliers. Nous sommes une centaine d'employés et nous sommes basés sur 3 dans l'Aube. Le développement durable et la politique RSE sont vraiment au cœur de notre société. C'est pour ça que nous sommes engagés déjà depuis 2013 auprès du Global Compact et plus récemment avec le Coq Vert et la labellisation Nord. Festilite s'est toujours développé grâce à ses innovations et nous souhaitons retrouver cet élan grâce à l'éco-conception. C'est donc pour cela que nous nous sommes engagés dans le programme Making Durable. Le programme Making Durable a permis à Festilite de bien quantifier les impacts de ses produits sur l'environnement. Et on a notamment pu apprendre toute la méthodologie pour faire une analyse de cycle de vie. L'impact principal de nos produits était les matières premières, contrairement à ce qu'on pourrait penser à l'utilisation, à la consommation électrique, au transport ou même à la fabrication. Donc ces résultats nous ont vraiment confortés dans l'idée qu'on s'est fait et dans les investissements qui ont été réalisés. Nous avons créé une nouvelle gamme de produits qui s'appelle le motif français, donc basé sur la fabrication additive. En fait, on a remplacé les structures aluminium par des structures en partie faites en ABS recyclé. Et cela nous a permis de réduire de 20% les impacts environnementaux. On a eu aussi toute une stratégie autour de ça d'éco-communication basée sur un produit local, éco-conçu. Et on a prévu aussi pour l'année 2023 de travailler sur la manière en fait de faciliter l'installation des produits pour les utilisateurs. Et on souhaite aussi travailler et réfléchir sur un nouveau modèle économique basé sur l'économie de la fonctionnalité.